voilà, je suis pas sûre encore que la caméra va tenir. Au pire, vous tomberez. Mais bon, je vais pas la tenir à la main. Faut que je vous raconte. Je suis derrière un bus, c'est génial. Donc, comme c'est la voiture de mon copain, bah, genre, c'est assez stressant. Du coup, je fais hyper gaffe et tout. Genre, je regarde partout, tout ça. Et là, il y a un petit. Enfin, papy. Enfin, papy, mais il avait, je sais pas, là, 60 ans environ. Au céder le passage, donc. Enfin, il arrive au céder le passage, donc il s'arrête, quoi. Enfin, vu que j'étais sur la route, moi j'étais sur ma route, j'ai pas à m'arrêter, il y a rien pour s'arrêter. C'est une route. Je continue, quoi. Et donc, le gars, bah non, qu'est-ce qu'il fait? Bah, non, le gars, il freine pas, il s'arrête pas. Donc, moi, je me suis dit, là, à cette allure-là, il me fonce dessus, mais carrément, boum, dans la voiture comme ça, si jamais il s'arrête pas. Donc, je suis désolée, vous allez bouger, vous allez avoir le mal de mer. Donc, je me suis dit, hop, j'accélère, et il a frotté un peu derrière la voiture. Donc, moi, je m'arrête direct, à peine sur un côté, enfin, il n'y avait pas vraiment de côté. Et je mets les feux de détresse, tout ça, je vais voir le gars. Il ouvre sa fenêtre, je dis bonjour, il a bonjour. Et il dit rien, genre, je sais pas, tu viens de me frotter le côté de la voiture et tu dis rien. Et moi je lui dis, bah il s'est passé quoi? Moi je suis sur ma route, vous êtes cédé le passage, j'arrive, vous arrêtez quoi, enfin normal. Et le gars il me fait, oh bah si vous voulez on s'arrête un peu plus loin, il était avec sa femme, donc voilà. Et moi je lui dis, bah non c'est pas possible, dans même pas 5 minutes je dois être à mon école, je peux pas aller m'arrêter plus loin, faire je sais pas quoi. Il n'y a pas moyen, enfin voilà quoi. Et du coup il me dit, bah allez, je vous donne 50 €, et puis voilà, donc il m'a passé 50 €, il y avait pas mal de liquide. Hein. Je sais pas si j'aurais pu demander plus, ce qu'il fallait faire. Franchement je savais pas quoi faire, tout ce que je savais c'est que... Fait que je sois à l'école dans 2 minutes quoi. Donc voilà, je l'ai pas encore dit à mon copain. Donc je vais lui dire, je prends sa voiture, ça y est, deuxième fois que je prends sa voiture, hop. Mais bon, c'est pas de ma faute, le gars il me fonce dessus. Et si j'avais pas accéléré, là la voiture, je sais pas à quoi elle ressemblerait, mais... Enfin bref, génial. J'ai à peine 10 minutes de voiture pour aller à l'école, c'est trop bien, mais en 10 minutes, le gars il a le temps de faire ça quoi. J'étais saoulée. Enfin bref, voilà. Du coup, je rentre à la maison. Normalement, mon copain m'a dit qu'il allait commencer à faire manger. Ça tombe bien parce que j'ai faim quand même. Donc voilà. Je regarde partout, je vous jure, c'est stressant là. Puis l'autre, bien sûr, fallait qu'il frotte la voiture. Et du coup, il y a une petite rayure. Enfin, une petite. On voit quand même, mais je sais pas si ça y était déjà ou pas, ou si c'est le gars qui a fait ça. Enfin bref, je suis dégoûtée. Voilà. Maintenant, je vais rentrer et dire ça à mon copain. Je sais pas comment il va le prendre. Mais bon, voilà quoi. Bon, me voilà enfin arrivée. J'ai mis la voiture dans le garage parce que, du coup, avec les ouvriers, vu que c'est des nouveaux apparts, il y a plein d'ouvriers. Ils prennent toute la place avec leur camion, c'est génial. Puis bon, vu qu'on a un garage, voilà. Me voilà dans ce sens, je rentre enfin. C'est parti. J'ai faim. Franchement, bravo. Hop. N'oublions pas, bien du Nutella. Des petits arbustes. Chut. Pouf, je me suis attaché les cheveux, franchement, ce moment, mes cheveux, je n'en peux plus. Voilà. J'ai un petit peu oublié de filmer avant, du coup là je suis avec mon iPhone en fait parce que j'ai pas pris mon appareil photo. Donc là on devait sortir à la cale, petite soirée tranquille, ça ferme à 2 heures. Puis finalement on va au teasing, donc c'est une boîte. Voilà, avec des copines. Donc là j'ai une copine qui allait chercher ses papiers d'identité et tout parce qu'elle avait oublié. Et ensuite on rejoint d'autres potes, voilà. Donc je filme pas trop en ce moment parce que franchement il y a pas mal de rangements, de trucs à faire et tout. Et la semaine prochaine je vais être en stage, donc ça va être compliqué. Mais voilà, du coup, je vais vous laisser pour ce petit vlog tout petit. Et je vous fais de gros bisous et peut-être à demain.